Papa qui me demande, mais papa, tu peux acheter ça? Oh, c'est bien d'acheter parce que là, on ne peut pas mentir. On n'a pas les pièces. Même, il y a des matins qui reviennent, papa. Parce que Jésus t'a déjà donné les pièces. Hein? Je peux pas lui dire que je vais acheter si on ne peut pas. Amen. Mais je veux que ma fille sache que tout le jour, on marche avec Christ. Malgré les épreuves, malgré les obstacles, malgré l'opposition, malgré l'adversaire, il faut que tout le jour, il faut qu'on enseigne à nos enfants de marcher avec Christ. Il faut pas que nos enfants marchent avec Christ parce que Christ nous donne des choses là, non. Il faut que nos enfants marchent avec Christ parce qu'il est digne. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais mieux faire autre chose que de le faire vivre parce qu'il est plus que ça. Merci Seigneur. Amen. Toujours dans la Bible, regardez une direction de Rahab. Regardez une direction de Rahab. Ça devrait être notre réaction aujourd'hui. Regardez. Là, la promesse que les Égyptiens lui ont donnée. Voici ce qu'elle a. Sa requête, si vous voulez. C'est la requête de Rahab. C'est la requête de cette personne. Elle va dire ceci. Elle va dire ceci au verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous jurez pour la maison de mon père. La même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas et ce qui nous concerne et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Après, elle fit descendre, c'est des hommes, regardez ce qu'elle lui a dit, elle fit descendre avec le corps par la fenêtre. Car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière, suivez-vous la ville, voici de quelle manière nous serons quittes du cerveau que tu nous as fait faire. À notre entrée, lorsqu'ils vont revenir, pour conquérir le pays, regardez ce que la Bible dit. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Comment vous comprenez la phrase? La Bible dit aujourd'hui que lorsqu'on va revenir, hein, lorsqu'on va revenir pour conquérir le pays, à notre entrée dans le pays, tu vas attacher. Vous comprenez? Maintenant, continuez à lire, regardez ce que la Bible dit. Si quelqu'un veut, verset 7, si quelqu'un veut sort de la porte de ta maison pour aller dehors sans sang de ton bras sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Là, c'est important ce que je vais dire. Regardez la Bible. Ne me regardez pas, regardez la Bible. La Bible va dire, elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent ensuite, et elle. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Elle n'a pas attendu que ces gens reviennent. Amen. Amen. J'espère que vous saisissez. Oui. J'ai marqué ici, bonne attitude, réaction instantanée. Amen. Si on sait que Jésus revient bientôt, on va dire, heureusement que Dieu n'a pas marqué l'heure, la convocation. S'il arrive en 2016, au mois d'avril, le 4, à 5h du matin. Ouh là là, on aura le temps de faire ce qu'on a fait à gauche, à droite, hein. 4, 3 minutes, restez, on se fait, prépare, Jésus revient. J'aime bien l'attitude de Rahab. J'aime bien cette attitude. Attitude instantanée, c'est une réaction instantanée. Ça veut dire qu'elle n'a pas dit, ok, ben, je vais attendre que lorsque je vous vois au loin, lorsque vous allez à Paris, vous commencez à voir les silhouettes s'approcher. Quand je vais commencer à voir l'armée, je vais passer tout de suite. Là, la Bible dit, quand elle prie, quand je veux. Ils sont partis. Le salut, c'est plus la responsabilité de ceux qui ont partagé la bonne nouvelle. Je prêche ce matin, je partage le message, et lorsque je pars, votre salut, c'est plus ma responsabilité. C'est vous, le frère et soeur. C'est vous qui devez avoir une réaction instantanée. Amen. Va dire au Seigneur que le frère ou le pasteur il n'a pas dit.
Non, la parole, elle dit, après c'est à nous de réagir. La parole, elle mentionne, c'est à nous de réagir. La parole, elle nous relate, c'est à nous de réagir. Elle a pas dit, moi je vais d'abord prendre du café, je vais d'abord faire la thérapie, je vais d'abord finir de payer mes échéances, tout ça, la vampire, ma voiture, je finis les trucs comme ça là, j'attache le cordon. Non! Moi, tu pries ton genou, tout de suite elle attacha. Elle était motivée pour mon salut. Elle était prise, elle était amorcée parce que c'était juste que l'on dit. Attention, quand on revient, n'oublie pas de tâcher. Sinon, si on ne voit pas le cordon, c'est mort. Tu vas mourir. Le Seigneur, pour Christ, il a été attaché sur la croix. Amen. Alléluia. Quand il a été attaché sur la croix, c'est le signe que lorsque quelqu'un vient vers lui, il a la vie. Il ne faut pas réagir demain. Là, ce matin, je me suis réveillé, je ne sais pas pourquoi, j'ai allumé la télé. Je suis parti sur l'Assise. Il y avait un reportage sur les cours d'Assise qui se font sur les fous. Hein? Si vous voulez, c'est le tribunal qui se déplace sur les fous, vers les îles. J'arrivais juste au moment où c'était la fin. Mais ils avaient affiché, ils avaient affiché une phrase qui a frappé mon attention. C'est marqué comme ça dans la justice. N'est pas une notion abstraite. La justice n'est pas une notion abstraite, mais la justice est un besoin qui n'est pas pour demain. Amen. Vous comprenez? La justice n'est pas une notion abstraite. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut imaginer. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. La justice est un besoin qui n'est pas pour demain. Ça veut dire que si nous devons arranger les choses, il faut les arranger quand? Maintenant. Les frères et sœurs, faut arranger maintenant. Je vais arranger ma vie. La personne qui va descendre comme moi, premièrement, on va dire que je suis partout sur toute la vie. Il y a des moments où la vie devient comme les dents d'une scie. Ça monte. Il faut arranger. Alléluia. Il faut régulariser aujourd'hui. C'est maintenant. Merci Seigneur. Quand vous allez repartir à la maison, Rab, elle n'est pas avec vous à Jéricho. Ici, là, Jéricho, c'est Jéricho, nous sommes dans Jéricho, c'est le lieu. Mais le Jéricho d'avant, c'est l'ennemi de Dieu.